こうして生きてられるのはリビの決断とクレハさんの治療のおかげってわけ。俺だって頑張ったんだぞ。で、その後いよいよアラバスタに上陸したってわけだ。そういや、上陸する前にお前らなんか不気味なもん釣り上げたんじゃなかったか。ボンちゃんだな、あの変態野郎が。変態だと？そいつは聞き捨てならねえな。冗談じゃないわよ。左手で触れればほーら元ジューリー。これがあちしの食べたマネマネの実の能力よ。おこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でもこれだけは忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係ナッシング。また会おうぜ。うわあ、さあ行くのよお前たち。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2？あいつがミスター2ボンクレー。今回のやつを取り逃がしちまったな。今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど、これを確認すれば仲間を疑わずに済むわね。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。アラバスタ王国では。Salut tout le monde, c'est Ikuze, comment vous allez? Moi je vais super bien. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de One Piece Pirate Warriors. Et on est donc à Alabasta. Où c'est qu'on va donc aller affronter Crocodile, qui est un des Shichibukai. Qui en France c'est donc les capitaines corsaires. C'est donc des pirates qui ont qui avaient une grosse mise à prix et qui donc ont été engagés par la marine, et comme ça ils n'ont plus de mise à prix, enfin je crois. これはミスター・プリンス。うわぁ、捕らえました。この妙な男をどうしましょう。サンジさん、そんな。そこはどこだ、場所を言え。レインディナーズというカジナの正面ゲートです。サンジ！ガチャン。こりゃいい。行くぞ、店の正面ゲートだ。もう少しだけ我慢してて、必ず助けを呼んでくるから。私は絶対にみんなを見捨てたりしない。全部作戦通り。サンジさん、場所を教えてくれるかい、プリンセス。野郎どこへ来やがった、ミスタープリンス。必ず見つけてぶち殺してやるぜ。
よし、待ったか。プリンス！バカやってねえでさっさと鍵を探せ。よかった。ちなみすわーい、お、惚れた。はいはい、惚れたからさっさとここを開けて。ドルドルボー解除。Ouais, donc voilà, comme j'allais dire, mais il y a eu un truc, donc ça a pris. Oui, c'est que, en fait, dans l'espèce de BD, là, je vais le laisser. Oui, je vais donc laisser l'espèce de BD, là, comme ça, ça... Vous suivrez un peu plus l'histoire si vous connaissez pas très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je me tairai dans ce moment-là. Et voilà, donc lui, il est mort. Bien fait pour ta tête, Mr. Tree. En même temps, il est un peu nul, hein, faut l'avouer. Yatta. Oui. Yaru monda, Rousoku ningen. あの雑魚どもも、もう許さん。即刻この手で皆殺しにしてやる。ったく能力者ってのは厄介なリスク背負ってんな。クロコダイルはどこだ。Attendez, je vais juste mettre le chapeau là. Voilà. Donc voilà, il y a quand même les... Moi j'ai décidé de vous laisser les petits moments de BD là, parce qu'il y a quand même des fois des moments marrants, puis ça explique quand même ce qui se passe, au lieu qu'on fonce directement dans le tas sans savoir ce qui se passe. Donc aussi j'ai décidé de ne plus faire les attaques, genre le Gear 2, le Gear 3 et Storm. En attendant que tout simplement on les débloque dans le jeu. Et puis voilà, et donc comme me l'a posé un abonné sur le dernier épisode de One Piece, c'était un peu chiant que tout simplement je tuais les boss trop facilement parce que mon Luffy était niveau 50. Et ben je l'avais dit dans, il me semble, je crois que j'avais dit dans le premier, non pas dans le premier épisode, je sais plus dans quel épisode. J'avais donc dit que je laissais ça, ça parce que tout simplement ça vous fera, la vidéo sera donc moins longue pour vous les lecteurs de cette vidéo, ce sera donc moins long pour vous. Et donc voilà tout simplement, et puis aussi j'ai un trophée à avoir en or je crois. C'est donc de tuer 100 000 personnages, donc ça m'aide un peu aussi en même temps. Et donc voilà. Donc je sais plus, il y a une technique qui était bien, genre je faisais le Katlingen en l'air, mais je sais plus comment je faisais. Wouhou! Yaha! Donc voilà. Donc ils ont déjà passé un sacré moment, hein. Donc normalement Luffy se bat une fois contre Crocodile avant que ça se passe, en fait, mais pas, je sais plus. Que j'ai regardé cette art là il n'y a pas très longtemps, enfin ça passe sur Direct Store, puis en même temps je suis en train de tout télécharger parce que One Piece est à nouveau dans ma tête, donc voilà. Donc cet épisode sera donc un Musou comme ça a été marqué au début, enfin, sauf que vous l'avez pas dit. Donc Musou c'est de la baston pure et dure, donc voilà. Donc il y a les modes boss comme celui que c'était en... Comme c'était écrit... Non, comme le dernier épisode au... C'est que le titre, ça va être Chopper vient avec nous. C'est donc le mode boss, donc il y a juste à battre Wapple. Il y a le mode Musou, donc c'est ça de tuer plein de monde, donc de la baston. Et il y a le mode action qui est donc... Le mode action c'est donc... De...
enfin, plateforme quoi. Et donc voilà. Tu vas trouver Chopper et barre toi. Ah voilà. C'est magnifique. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Enfin je m'en souviens plus très bien, mais je vais quand même essayer de vous faire ça au mieux. Donc bah, on est arrivé sur l'île d'Ala, enfin le royaume d'Alabasta, donc c'est un pays. On me l'a redit aussi dans une vidéo. Et puis donc ils vont donc aller sauver ce pays car à cause de crocodile, et ben ce pays, dans ce pays ne pleut plus, je crois que ça fait 3 ans mais il n'y a pas plu. Et donc bah, tout ça à cause de crocodile et de son sable, donc c'est devenu un véritable désert. Donc du coup bah, les personnes meurent de soif, donc ils ont tout raté, tout bordel, mais crocodile lui se fait passer pour un héros. Car il vire toutes les personnes en fait qui se rebellent. Car il y a une certaine poudre, je sais plus comment il s'appelle, qui fait donc, ça fait une espèce de produit chimique, mais ça fait tomber la pluie. Et donc lui, à chaque fois que des personnes veulent s'emparer de ceci, Crocodile donc les affronte et les tue, et puis donc les habitants d'Alabasta ne savent pas que qu'il y a cette poudre qui est donc interdite. Et donc du coup ben il tue des pirates et donc tous les habitants le prennent pour un héros. C'est donc comme ça qu'il va donc que merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, qu'il va donc se servir de tous les habitants quoi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'après quand le chef c'est le chef qui se dasse contre eux. Oui, en clair, ils sont pour Crocodile. Jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Enfin, je sais même plus s'il la découvre la vérité au bout d'un moment. Putain, il est pas mort le chef encore. Voilà. Cette fois, il est mort. Donc voilà. Donc, on va continuer notre chemin et on va donc aller vers... vers Crocodile, il me semble. Je sais plus. Yep. Boretto. Oui. Bon, qu'est-ce que dire après ça? Je sais plus vraiment ce qu'il y a à dire. Hein, donc voilà. On va continuer notre chemin tranquillou et puis on verra bien ce qui se passe. Merde. Ça passe que. Pas ces canons, je sais plus pourquoi. Canon, en fait, je crois que j'ai jamais entendu ça dans le manga, il me semble. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est un bazooka, mais il dit canon. Enfin, bref. Bref, voilà. On est pour. Putain, le sop. Il me fait marrer, lui, parce qu'à chaque fois qu'il dit ça, bon, en fait, il est mort de trouble. Donc, c'est un peu con, mais bon. Le chef de la marine. C'est un gars vite fait. Donc un nouveau projet va arriver. Je vais en profiter pour en parler hein, vu que j'ai rien à dire. Vraiment ce sera la vidéo qui suivra celle-là. Il y aura donc un projet qui sera donc de tester les jeux de Game Boy Advance et PS2 et GameCube. Nintendo 64, Mega Drive, en fait, tous les jeux comme ça. Qui sera donc testé dans un projet dont je n'ai pas encore le titre en tête de ce projet. Vous pouvez peut-être m'aider en marquant dans la description le nom du projet. Et puis voilà. Et donc la prochaine vidéo sera donc sur The Legend of Zelda, The Minish Cap. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour là. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ça vous verrez bien la prochaine vidéo qui sort à peu près tous les 2-3 jours. Une nouvelle vidéo sur la chaîne de Ikuze. Donc voilà. On va aller là-bas.
Ouais, par contre, il y a toujours Zoro qui se plante de chemin, ça c'est pas nouveau. Yop. Kataringen. Et voilà, donc j'ai plus qu'à capturer ce terrain. On sera donc tranquille. Par ces petits bonhommes, ça ressemble à tout. Donc voilà. Yatta. Shoot. Donc oui, c'est un peu tellement comment là. Dans la vidéo, parce que je ne sais pas trop quoi dire. Parce que j'ai déjà à peu près tout résumé en vite fait. Et qu'il y aura donc deux épisodes à Alabasta. Et donc voilà, donc là Luffy court vers là-bas. Oups, non c'est là. Bon, au pire je crois que je sais même pas s'il y a besoin de... Si, peut-être. Alors on va faire un petit rifle dans le tas, comme ça ils crèvent tous. Rifle. Donc on est quand même à 740-760 KO. Ça fait un peu beaucoup. Hein. Le jour où 700 en vrai, je vous respecte fortement et j'aimerais mieux être de votre côté ce jour-là. Ouais. Yeah. Le shift. Il est mort, on a fait le pied. Voilà. Puissance 6 KO. Et maintenant on y va. Rejoins Zoro qui a encore perdu son chemin. Oh putain, c'est pas vrai ça. Zoro, je suis là. J'arrive. Bon, Luffy est un peu plus con que Zoro, mais... Mais bon, Zoro et puis son sens de l'orientation, ça aide pas vraiment. Ouais, toi, dégage. Usopp. Allez, viens, Usopp. Usopp, je t'ai dit de venir. Putain, mais il est con. Putain, mais c'est pas vrai. Là. Putain, là, ils vont tous arriver comme par hasard. Bon, on va aussi les faire, hein, tant qu'à faire. On va faire un rifle dans le tas, ça va déménager un peu. Et voilà. Where is Usopp? Putain, c'est pas vrai, Usopp vient ici. Il est où? D'accord, je le vois même pas, c'est magnifique. Usopp va prendre les panards dans la tête. Putain, mais il est où Usopp? Putain, il arrive même pas à se faire un petit gars, ça bise. Voilà. Et viens, Usopp. Ça dégage. Voilà. Donc maintenant, faut aller chercher Zoro. Oui, j'arrive. Oh, Zoro, il en a amené un petit paquet quand même. Voilà. Allez, bien Zoro. On y va. Et Zoro, bien sûr. Voilà. Luffy et Zoro sont ensemble, donc Usopp est déjà monté, il me semble. Et on y va. Ah, c'est bon, Zoro, en fait, on fait le chemin. C'est là qu'il se retourne et il se barre et puis c'est plus où c'est. C'est un peu con. Par contre, je conteste parce que quand ils se sont fait choper par Crocodile, logiquement, ils sont sur un crabe déménageur. Je conteste. Donc voilà, sinon les cinématiques sont toujours très plaisantes. Hein. Oh, il est un peu plus fort que d'habitude, le petit Crocodile. Par contre, ouais, là pour les prochaines vidéos, je mettrai le mode histoire en mode difficile. Histoire que ça soit un peu plus... Oula, long. Voilà.
Recrève. Hop là. Par contre, je sais pas ce qu'il va faire. Donc voilà, je vais leur mettre une patate. Et ça bute, hein. Okay, d'accord. Oh là 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 là. Ah putain. Il est où? Et voilà.誰だと思ってる。てめえのような口先だけのルフィなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ、このグランドラインにはよ。苦しそうだな。だが、じきに楽になれる。 なぜ戦うの？ D の名を持つあなたたちよ。 D？ どうやら無駄な質問みたいね。 Donc voilà. To be continued. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir... une nouvelle pièce. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer... d'aimer. vous pouvez Vous pouvez me suivre sur Facebook ou Twitter, ce qui vous donnera l'épisode un jour en avance, comparé aux autres, ceux qui ne sont pas sur mon Facebook ou mon Twitter. Et puis, donc voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode. Salut tout le monde. Oh putain, c'est ça le symbole de Roger? Oh, il pue. Donc voilà. Salut tout le monde. Plus, plus. Ah,